crois qu'on a tous quelque chose à faire de notre vie. Et moi, mon temps, ma passion, c'est de pouvoir accompagner ces jeunes en détresse et de surmonter ce trauma et aussi de travailler avec les familles parce qu'on ne naît pas violent, on le devient. Et ma mission, c'est de les accompagner à pouvoir récupérer leurs enfants le plus tôt possible. Le premier meilleur souvenir que j'ai eu, c'est quand on a fêté mon anniversaire. Parce qu'étant donné que je viens d'une famille pauvre, on n'a jamais fêté mon anniversaire, j'ai jamais eu de cadeau. Donc le fait d'avoir reçu un cadeau à mon anniversaire, ça m'a fait plaisir. Toujours l'école en premier, l'école. Après, pareil au lycée et là maintenant l'université, il nous pousse à aller plus loin dans l'avenir. Et c'est ce que l'ensemble du personnel fait tous les jours. Malheureusement, pour pouvoir leur donner toute cette deuxième chance, toute cette possibilité de grandir comme s'ils étaient dans un milieu ordinaire, ça nous demande beaucoup de moyens, ça demande une énergie folle au niveau humain, mais bien entendu, après, c'est aussi, ça demande des moyens financiers pour pouvoir apporter du matériel et leur permettre d'aller à la scolarité, de pouvoir faire du sport. L'idée, c'est une bonne tête dans un corps sain. Actuellement, je suis en première année de droit parce que je souhaite être avocate plus tard.